Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va continuer la lecture du livre. C'est quoi le titre du livre? Bravo! C'est Bonjour Poussin. Regardez, qu'est-ce que je vois sur cette image? Le bébé poussin sort de l'œuf. Est-ce que vous voyez la coquille qui est cassée à côté de lui? Le bébé poussin a cassé la coquille. Comment il a cassé la coquille? Il a cassé la coquille avec son bec. Il a tapé, tapé, tapé avec son bec et il est sorti. Le poussin est petit, il est jaune et duveteux. Ça, c'est une coquille cassée. Il sort de l'œuf comme ça. Il a un bec. Regardez les enfants. Est-ce que vous voyez le cercle rouge autour du bec du poussin? Pourquoi a-t-il un bec? C'est pour picorer. Avec son bec, il picore des graines. Le bébé poussin a deux pattes. Pourquoi a-t-il des pattes? Bravo les enfants, c'est pour marcher. Est-ce que vous voyez la coquille qui est cassée à côté du bébé poussin? Ça, c'est la maman poule. Elle est très contente. Qu'est-ce qu'elle a sur sa tête? Elle a une crête. Bravo. Et qu'est-ce qu'elle a ici? Elle a un barbillon. Ça, c'est la maman du bébé poussin. C'est une poule. Elle est comme ça. Regardez, la poule a aussi deux pattes, comme le bébé poussin. Et qu'est-ce qu'elle a sur son corps? Est-ce qu'elle a des piquants? Non, elle n'a pas de piquant. Qu'est-ce qu'elle a alors sur son corps? Elle a des plumes. Les plumes sont douces. La maman poule aime son poussin. Elle lui apprend à manger des vers, des graines et des miettes. Qu'est-ce que c'est les enfants? Bravo, c'est un ver de terre. Le bébé poussin mange des vers de terre. Et qu'est-ce que je vois ici? Bravo, ce sont des graines. Le bébé poussin picore des graines. Et là, il y a des miettes. La maman poule picore des graines avec son bébé poussin. Regardez le bec de la maman poule. Comment le bébé poussin va vivre dans la ferme avec sa maman? Demain, on va voir ce qu'il va faire dans la ferme. Au revoir les enfants. À demain.